Salut tout le monde, c'est Authentic Gamer, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super bien étant donné que je lance pour la première fois sur ma chaîne YouTube du Clash of Clans. Donc Clash of Clans, j'ai vraiment voulu le faire avec mon iPhone, mais le problème c'est que j'avais aucun moyen d'enregistrement. Et puis transmettre des dossiers vidéo de Apple au PC, et ben faut acheter un logiciel et j'essaie de craquer, mais c'est bien leur petit monde quoi, Apple. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première fois que j'utilise mon visage sur ce PC. Bon, il est légèrement avancé. Certes, j'ai fait un petit peu de HC avant Let's Play, mais je vais faire maintenant, à partir de tout de suite là maintenant, un nouveau Let's Play donc sur Clash of Clans, et je vais vous faire voir les principales acte qu'il faut faire. Donc sachez que là j'ai aucun acte à vous faire voir en quelque sorte, parce que c'est le début du jeu, c'est vraiment très très facile pour tous les joueurs qui ont déjà joué, donc c'est vraiment très trop facile hein, même que la vidéo ne se mérite même pas sur YouTube en quelque sorte. Donc on va tout de suite lancer dans un let's play, à l'intérieur du let's play de Clash of Clans que je voulais faire. C'est défi des gobelins. Donc là, il faut savoir que je vais faire 2 ou 3 vidéos, enfin 2 ou 3 villages de gobelins au début du village. Mais au fil et à mesure du temps, eh ben, je vais tout simplement faire 2 attaques, ensuite 3, ensuite peut-être une attaque, et voilà quoi. Enfin, quand on sera arrivé ici, eh ben, voilà, je ferai qu'une attaque à partir de là. Mais là, on va essayer de faire 2 ou 3 attaques des gobelins. Donc c'est parti. On peut avoir quand même 1000, c'est pas négligeable. Donc là, parce qu'après rien de méchant, je crois qu'on peut en mettre que 5. 5 devrait suffire à la faire. Je ne fais pas d'accélération, rien du tout. Ça, c'était vraiment juste pour faire voir le principe et surtout pour faire voir que je peux jouer à Clash of Clans. J'adore la qualité d'image, j'aime bien ma voix. J'ai supprimé le son du jeu, c'est pour m'entendre parler, pour pas que je parle trop fort parce que à l'heure où je fais la vidéo, il est un peu tard. J'aimerais pas réveiller mes parents. Donc après cette petite bataille dans la forêt des gobelins, on va refaire directement le niveau supérieur des gobelins et on va se laisser lentement mais très bien. Je suis très content du PC quoi, et on va se laisser, ouais, donc je veux dire lentement et voilà quoi, parce que j'ai pas énormément beaucoup de temps. Mais c'était juste, je vous fais la vidéo sur le coup, sur l'euphorie, vous voyez bien comme c'est fluide et tout, et ça, j'adore ça. Honnêtement, c'est bien. Donc c'est Authentic YT, donc mon pseudo sur ce nouveau Clash of Clans. Sachez que sur mon iPhone, j'ai un autre village HDV7. Donc le roi des barbares, deux unités dragons, je crois que j'ai découvert. Enfin bref, quoi. Je suis très loin de l'HDV7 8, hein, je suis encore au début. Et donc c'est pour vous dire que. Donc là on fait avant-poste de gobelins. Pour vous dire que j'ai déjà joué, mais j'avais la flemme en quelque sorte de créer mon compte. Hop, hop. J'ai la flemme de synchroniser mon compte, donc du coup, puis pour vous, pour YouTube, et pour moi, parce que c'est un vrai plaisir, j'ai décidé de recommencer une aventure avec vous, sans abandonner mon HDV7. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez aimé la vidéo, ainsi que si vous me suivez depuis pas mal de temps et vous êtes vous aussi joueur de Clash of Clans, n'hésitez pas à me donner un nom de clan dans les commentaires, je rejoindrai avec plaisir avec mon HDV7 ainsi qu'avec ce compte-là. Donc c'était Authentic Gamer, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Sur ce, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un big j'aime et un petit commentaire, c'est la récompense. Abonnez-vous si ce n'est pas fait encore. Bye bye à tous, gardez la pêche surtout les amis.